conseil supérieur police nationale là. Nous avons plusieurs sujets avec autorité qui ont à voir avec sécurité pays. Nous t'es penché sous cas insécurité qui a produit dans la zone Matissan, dans la zone Bicentenaire, dans la zone Grand Ravine. Et sous point ça, il y a des décisions que nous prenons. Malheureusement, nous n'avons pas dit devant la presse, puisqu'il s'agit de la sécurité intérieure du pays. Nous sommes avec vous, car qui passe Miragouane, qui suivi, qui vous fait sous lit. Ça qui passe Café Trio au Cap, qui ça fait. Sous Trou du Nord, il y a une liste de 30 sujets que nous avons mené justice là, travail sur eux, qui sont des cas de monde qui assassinés, des actes de banditisme qui produit. Nous avons des rapports dans une quinzaine de ministres qui ont gagné pour le rapport pour nous. Et nous avons gagné pour nous faire chita sous question Brissif, Tiot, sous ça qui est passé Tiot là, côté 15 policiers, Vio, t'es en danger. Nous avons des informations que nous gagnons dans la commission, que nous confrontons avec information secrétaire d'État sécurité publique là, qui m'a donné pour nous continuer à approfondir la question ça, parce que y a une responsabilité qui doit être fixée. Nous chita sous question arrêté 23 mai 2018 là, que moi-même dans la presse, nous avons dit que c'est un arrêté qui révoquait le directeur général de la police là. Premier ministre et CSPN nous fournit des informations pour montrer nous que c'est dans l'esprit pour harmoniser démarche ou du moins décision. Faille non arrêté à y prêt pour y rétracter et faire prendre les décisions qui s'imposent. Moi-même, moi, nous bon pour commission, nous accepter bien faille. Nous dit que arrêté à lui violer la loi et puisque il violer la loi, faut gagner une correction qui pote à lui qui va permettre la police non lorsque pouvoir ça aller l'autre pouvoir venir pour le pas politiser et nous entendre nous sur ça premier ministre avec conseil du gouvernement non c'est conseil des ministres et le président de la République pour regarder comment il est capable de porter correctif avec question arrêté CSPN. Résumé de rencontre de séance de travail nous avons après-midi hein, avec commission justice Sénat. C'était une rencontre qui était très cordiale. Et comme nous connaissons une prérogative que le Sénat a gagné pour jouer un rôle de contrôle sur l'exécutif. Et la preuve que depuis que nous arrivons ici, hein, c'est une qui a dit dans le gouvernement qui vient plus souvent dans le Parlement pour venir chita soit en commission, soit en assemblée avec les honorables sénateurs ou les honorables députés pour nous capables de parler de fonctionnement de l'État. Eh bien, comme président de la commission Sodilla, c'est une réunion de travail très positive, côté que tu as des échanges. Et à un certain moment, nous demandons à tout le monde qui pas fait partie de CSPN ou bien pas de sénateur pour te quitter la salle, là, pour nous te parler, n'est-ce pas vrai, des questions de sécurité. Nous connaissons que là, ces questions de sécurité, ce n'est pas bagaille que nous parler en public. Mais garantie que nous avons aujourd'hui, c'est qu'au niveau de l'exécutif, et plus précisément au niveau du CSPN, nous travaillons pour nous gagner plus de sécurité dans le pays. Nous travaillons pour nous, pour avec sécurité que le pays a gagné, pour nous capables d'attirer les investissements dans le pays. Pour nous suspendre voler terre, pour nous suspendre agresser les gens. C'est l'occasion que m'a profité pour demander chaque Grenadien, chaque Grenadienne, pour y collaborer avec la police. Les avoir des informations pour y partager avec la police. Parce que question de sécurité pays, ce n'est pas question la police seulement, ce n'est pas question parlement, ce n'est pas question exécutif, c'est une question qui intéresse nous toutes. Bien sûr, nous-mêmes, nous avons travaillé très dur, mais
c'est mettre coq véhicule et n'a besoin information pour nous continuer de traquer bandits. Garantie comme Cabano, c'est que Jean directeur de la police dans dit là nous avons toute information et très prochainement n'a mené toute bandits devant la justice. Ok, Premier ministre, nous connaissons la Chambre députée à Québec date 28 juin pour l'interpellation. Est-ce que vous avez des nouvelles ça? Question ça n'a pas discuté à l'ordre du jour. Nous plusieurs qui présentaient devant la presse 24 heures de temps après conférence des présidents qui suivent ouverture session. Comme nous te connaissons lors de la dernière conférence des présidents avant les vacances de la Chambre des députés, les honorables présidents des commissions pour certains de la majorité APH te dit les pattes opportunes pour que y te fixé en date pour séance d'interpellation suite à motion que nous-mêmes groupes députés ont été déposés. Nous avons dénoncé cette violation de la Constitution et du règlement intérieur. De retour des vacances, dans l'occasion première conférence des présidents, nous saluons l'esprit démocratique des honorables présidents de la conférence des présidents qui désormais, d'accord, compte tenu attribution que nous gagnons comme députés pour que nous invités, convoqués et interpellés, et de fait, nous avons décidé d'interpeller le Premier ministre Jacques Guy Lafontaine, datant les désormais fixé pour jeudi 28 juin, capé Vinila. Donc, séance d'interpellation du Premier ministre Jacques Guy Lafontaine et son gouvernement, c'est pour 28 juin 2018. Nous-mêmes, ça nous dit que collègues députés qui sentent Bolakayo, gouvernement central là, et pouvoir central là présent Bolakayo, gain développement qui fait Bolakayo, eh bien, nous n'avons pas de problème à ce que le 28 juin, ils viennent là, ils votent favorablement au gouvernement. Mais nous-mêmes, nous estimons que la majorité des collègues députés ne sont pas satisfaits du gouvernement. D'ailleurs, dans le budget 2017-2018, il y a gagné 3 millions de gouttes qui étaient alloués à l'exercice précédent. Gain pour l'exercice 7 millions de gouttes. Donc, pas aucun décaissement qui fait pour eh bien, et communion. Donc, nous-mêmes, nous exigeons pour que eh bien, Kazekyo te gagne 1 million de gouttes, il n'y a pas joué ni. Donc, c'est ensemble de motifs ça yo, qui portent nous à déposer motion d'interpellation contre Jacques Guy Lafontaine. La pratique de la biologie médicale en Haïti ne date pas d'aujourd'hui. C'est en effet en 1905 que le docteur Léon Audin crée le premier laboratoire de bactériologie à Port-au-Prince et inaugure l'usage du laboratoire dans le diagnostic. Par la suite, d'autres laboratoires seront développés, comme le laboratoire central de l'hôpital général, le laboratoire de microbiologie de la faculté de médecine et de pharmacie, le laboratoire d'hygiène publique, où les sciences de laboratoire sont enseignées aux futurs médecins et techniciens et où des travaux de recherche sont conduits avec succès. Mais ce qui caractérise le secteur pendant longtemps, malgré des efforts appréciables venant surtout du secteur privé, c'est un manque d'investissement chronique, une évolution en dents de scie et un certain niveau de désorganisation. Un diagnostic est une étape incontournable pour garantir des soins adaptés et efficaces aux patients. Les données précises générées par le laboratoire permettent de développer une veille sanitaire, soit par la confirmation de l'étiologie en question, la compilation des informations cliniques
épidémiologique, l'identification des interventions appropriées, comme par exemple thérapie antimicrobienne ou vaccin, la détermination des profils et suivi des tests de sensibilité aux agents antimicrobiens, entre autres. Force donc est de constater que la surveillance de laboratoire peut donner l'alerte lors des phénomènes anormaux, augmentation de cas, détection de nouvelles maladies émergentes, etc. Un pays qui se dit souverain devrait pouvoir contrôler et doit contrôler ces informations sanitaires. Je ne vais pas être long parce que je n'avais pas un discours à vous faire, etc. Je vous dirai seulement, mes chers amis, mes cadres, mes collaborateurs, que notre performance ne sera pas seulement évaluée à la lumière de nombreux documents de politique nationale ou de plans bien rédigés que nous avons élaborés, mais avant tout et surtout à notre capacité à mettre en place, à mettre en œuvre et à faire respecter ces politiques et ces règlements et ces plans. Je vous exhorte donc tous, collaborateurs, amis, partenaires, à mettre tout en œuvre pour que cette activité de ce matin ne soit pas inscrite dans l'annale du ministère comme un lancement de plus, mais comme le vrai point de départ pour le renouveau de notre système. La Fondation Mérieux travaille avec Haïti depuis 2002 et a fondé des partenariats historiques, premièrement avec les centres GESCIO. Ce partenariat qui a commencé en 2002 a culminé avec la création en 2009 du laboratoire de biosécurité P3, Rodolphe Mérieux, qui aujourd'hui occupe une place importante pour le diagnostic biologique et la recherche scientifique en Haïti. Et c'est ce laboratoire qui permet le suivi de plus de la moitié des personnes vivant avec le VIH et la tuberculose en Haïti. Ensuite, comme le Dr Bonsi l'a dit ce matin, suite au tremblement de terre de 2010, qui a été une grande catastrophe pour ce pays, notre président Alain Mérieux s'est rendu en Haïti. Et à ce moment-là, il avait rencontré le ministre de la Santé de l'époque. Il lui avait demandé comment on pourrait aider plus. Donc, à l'époque, il a été considéré important de renforcer les capacités des techniciens de laboratoire qui étaient déjà en poste dans les laboratoires haïtiens. Et c'est comme ça qu'en 2011, on a lancé le BAMS, qui est le programme, le Bachelor of Applied Medical Sciences, qui a commencé, donc c'était une collaboration entre le Laboratoire National de Santé Publique, l'École catholique de Lyon et la Fondation Mérieux. Cette réalisation a pu être concrétisée par le travail soutenu d'une équipe multidisciplinaire d'individus, d'experts, d'organisations philanthropiques et universitaires évoluant tant en Haïti qu'à l'étranger. Nous voulons aujourd'hui remercier et féliciter tous ceux qui ont contribué et collaboré pour la réalisation de ce magnifique projet. Nos remerciements s'adressent particulièrement à l'Union européenne et la Fondation Mérieux, l'équipe du Laboratoire national et du PNLT, et aussi aux techniciens des 15 sites pour le moment, dont leur présence aux cliniques et aux laboratoires ont permis de réaliser ce projet. Enfin, nous sommes convaincus que l'un des résultats du projet à atteindre, qui consiste à développer un document de politique de recherche appliquée en santé publique, devra faciliter la recherche opérationnelle en Haïti. L'Union européenne a aussi été très active, d'ailleurs, dans la lutte contre le choléra à travers notre agence d'aide humanitaire ECHO. Tout cela pour dire que si nous soutenons les efforts nationaux et nous soutenons aussi d'autres partenaires en faveur des services de santé de qualité, le projet SP Haïti Lab et sa contribution à la définition d'une nouvelle politique de laboratoire sont d'une importance majeure et permettent à l'Union européenne de marquer notre intérêt pour le développement du secteur de la santé ici en Haïti.
Nous le savons que trop bien. Haïti paye un lourd tribut face aux maladies infectieuses, mais aussi aux maladies non infectieuses. Dans ce contexte, un programme en matière de politique de laboratoire revêt une importance majeure. Les réalisations du programme sont d'ores et déjà nombreuses, mais je ne vais pas ici vous les énumérer, parce qu'on a déjà eu les experts qui nous ont éclairés à ce sujet. Je vais simplement, pour terminer ces quelques propos de circonstances, féliciter très chaleureusement Monsieur le directeur du Laboratoire national de la santé publique et Monsieur le directeur d'épidémiologie des laboratoires et de la recherche pour le travail accompli en lien avec la Fondation Mérieux, ici représentée. Je souhaite ici aussi saluer l'action du gouvernement et féliciter en particulier Madame la ministre, Docteur Marie-Greta Roy-Clément, pour l'adoption de cette politique, qui est une politique clé. J'ai saisi aussi cette occasion pour formuler les vœux pour les plans d'action afférents, pour que les plans d'action afférents puissent se concrétiser dans les délais impartis, conformément aux souhaits de tous les acteurs présents ici et au bénéfice de la population haïtienne. Quelles sont les généralités de ce projet ? Il est déjà ainsi, c'est le projet de 5 ans, allant de 2015 à 2019, financé à hauteur de 1,8 million d'euros, dont 80% sont directement fournis par la Commission européenne à travers son bureau d'EVCO, et 20% par la Fondation Mérieux, qui en plus de l'appui technique, participe également au financement de ce projet. Quels sont les partenaires? C'est directement la Fondation Mérieux qui a le contrat avec le DEVCO, mais on a également le Laboratoire national de santé publique, la Direction d'épidémiologie de laboratoire et de recherche qui représente le MSPP. On a la GESCUO. On a aussi un partenariat sud-sud représenté par l'Institut africain de santé publique qui nous a beaucoup aidé techniquement dans l'élaboration de plusieurs documents relatifs à ce projet. Quels ont été les objectifs définis? On a comme objectif principal renforcer la capacité de prise de décision stratégique du MSPP et le développement du système de laboratoire en Haïti pour permettre l'amélioration de la santé de la population. Comme objectif spécifique, appuyer le MSPP à travers le LNSP dans la prise de décision stratégique basée sur l'évaluation du cadre réglementaire existant, sur l'analyse de la situation locale et sur des données probantes. Nous devons suivre les tendances des maladies et adapter les mesures de riposte pour mieux protéger et prendre en charge notre population. La politique des laboratoires met en évidence les domaines qui nécessitent d'être renforcés. Parmi les stratégies identifiées, nous pouvons mentionner le renforcement des entités responsables de la mise en place et du suivi du système de laboratoire, la mise en place de textes réglementaires pour mieux réguler l'ouverture et le fonctionnement des laboratoires, l'exercice de la profession et la sécurisation du circuit d'approvisionnement, la mise à disposition de ressources humaines compétentes et motivées, la mise en adéquation des locaux et des équipements de laboratoire selon l'échelon de la pyramide sanitaire, le renforcement du système de contrôle et l'assurance qualité, la biosécurité et biosûreté pour assurer la protection du personnel de santé ainsi que des patients bénéficiant des services. Le renforcement du système de collecte de données de laboratoire et de recherche permettant ainsi de mieux orienter les décisions de santé publique pour la population haïtienne.
Chers amis, ce document n'aurait pu être élaboré sans l'apport tant financier que technique de nos fidèles partenaires. Permettez-moi de remercier l'Union européenne et la Fondation Mérieux. Je remercie le professeur Jean Sakonde en tant que point focal de l'Institut africain de santé publique du Burkina Faso pour son appui remarquable dans la rédaction de la politique. J'exprime aussi ma gratitude à toutes les directions centrales du ministère de la Santé publique et de la population, à l'équipe du LNSP d'ERM, aux membres de mon cabinet, aux associations professionnelles et aux fournisseurs privés qui ont bien voulu participer au processus de rédaction de la politique afin qu'elle reflète les besoins du pays. Mesdames et messieurs, chers invités, je voudrais terminer mes propos avec l'espoir que ce document contribuera au développement harmonieux du secteur diagnostique et sera le cadre de référence des intervenants présents et futurs de ce dit secteur. Il contribuera aussi, j'en suis sûr, à l'amélioration de l'offre des soins de santé de qualité. Tout en souhaitant un plein épanouissement au secteur des laboratoires, je déclare le document concernant la politique nationale des laboratoires d'Haïti, document de développement de la santé publique d'Haïti. C'est l'Observatoire haïtien de l'énergie. Maintenant, c'est dans le cadre de nouvelles Samedi Carrelé, dans le cadre de résolution qui était pour un conseil des ministres le 10 janvier 2018, qui était conféré à BMPAD la gestion du secteur des hydrocarbures et des produits blancs, et particulièrement le mazout, la C30, l'asphalte et les autres produits dérivés. Maintenant, il faut que nous expliquions au public là, à travers Observer, qui est observation de l'Observatoire haïtien de l'énergie, il faut nous expliquer qui les nouvelles attributions du BMBAD et comment BMBAD entend gérer la situation. Ça. C'est deux charges qui sont très lourdes sur bois BMBAD, mais il n'y a pas au-dessus de force BMBAD. BMBAD entend Chita parler avec les partenaires pour expliquer yo nouvelle fonction ça, nouvelle mission que le gagnait après mission que le législateur là est conféré à BMBAD dans le cadre de la loi du 5 décembre 2007 portant création du bureau de modélisation des programmes de développement. Il y a un agenda qui est associé à colloque là aujourd'hui. Nous avons gagné un agenda dans main certainement et que nous avons les intervenants, mais monsieur également. Il va parler de fiscalité, il va parler également de l'économie de l'énergie, il va parler également de rôle et nouvelles fonctions, nouveaux rôles que BMBAD a appelé à jouer dans le cadre résolution 10 janvier 2018 là, que quitté pour un conseil des ministres et qui est publié dans le moniteur, qui était conféré à BMPAD d'autres missions. Et qui attend BMPAD après un colloque ça avec le secteur? C'est permettre que acteurs, partenaires, aient une meilleure compréhension de nouvelles missions qui est conférée à BMPAD là et permettre à ce que nous-mêmes au niveau du BMPAD et public là, nous autrement qu'avant. Mais vous, dans le secteur qui l'a participé à la colloque? Observer, hein, c'est une plateforme, c'est une organisation qui travaille dans ce secteur-là, qui réunit différentes catégories de professionnels
et de, je dirais, d'associations qui travaillent dans ce secteur-là. Nous connaissons également que le président de la République, son excellence Jovenel Moïse, est à la faveur de l'accession au pouvoir, est créé par arrêté présidentiel, ont structuré qui est l'ANACSE. ANACSE, c'est les dirigés par M. Everson Calix qui parle gérer la question énergie. Nous connaissons également que le président de la République a un programme d'électrification globale du territoire national. Ce qui va être fait, ce qui est en train d'être fait d'ailleurs. Et c'est dans le cadre de ça, tout acteur ça au Chita là, puis on parler de tout genre de situation ça, et nous sûr que après le colloque là, nous autres journalistes, nous avons sorti avec une meilleure compréhension de observer et de mission BMBAT. Merci. Juste avant, c'est une nouvelle mission. Non, nouvelle mission, c'est à travers résolution qui confère à BMBAT le droit de gérer de secteur là, de placer les commandes pour les partenaires. Et c'est Yovini, son secteur qui est tellement stratégique, Yobaka quitte le Ndakadioula tel que l'étape fonctionnaire. C'est ça qui fait que on a passé nous gagnons attaché de presse qui est avec nous, qui va le passé à journaliste, ça nous dégage un exemple de résolution qui va édifier nous par rapport à une nouvelle mission. Il faut remercier BMBAT qui leur était proposé nous, parce que en fait, Baron, si nous suivons résolution qui était prend le conseil de ministre côté, nous avons dit qu'il y a besoin de réguler le secteur, en fait, marché hydrocarburant, et il y a le ministère finance à travers de BMBAT, capacité et il y a d'autres en fait de autorité pour le gérer le secteur. Donc, dans le cadre de ça, donc BMBAT, DGA, la direction générale du bureau de modernisation des programmes d'aide au développement, dit écoutez, donc, il faut que nous montrions l'ensemble des acteurs de la société haïtienne qui s'en a fait et qui s'en a tant de. Donc voilà mes contextes qui fait que nous accepter et nous accompagner en fait BMBAT pour nous faire présentation ça, pour nous faire colloque ça. Bien avant d'avoir ce colloque là même. Mm-hmm. Là vous même pas une projet début de affaire mission parce que vous voulez qu'il y ait une structure, KPG, énergie. Non, chaque attendez bien. C'est samedi moi. Architecture institutionnelle. Chaque monde a un rôle, chaque monde a une mission, la structure énergétique au pays. Je vais citer tout acteur. Vous pouvez commencer par la présidence. Ou la primature. Ou le ministère de l'économie et des finances. Ou le ministère de la planification et de la coopération externe. Ou le ministère du commerce et de l'industrie. Ou le ministère central. Le ministère des travaux publics, transports et communications. À partir de là, on conseil de l'autre institution qui lie à lui. Ou bien DINEPA. Ou bien ANARC. Institution qui est l'autorité nationale de régulation du secteur de l'énergie. Son régulateur secteur énergie en lien. BMBAT, qu'on y a vu régulateur secteur hydrocarbure. Parce que l'on prend une chaîne énergétique là, de énergie en la forme sauvage là, jusqu'à énergie finale là, bon pile et bon acteur qui est intervenu. Donc tout acteur ça, si yon bride sous roue, yon a monté sous ça, l'autre a fait, c'est désordre ou rien. Donc il faut qu'on régule, il faut que chaque monde connaisse le rôle. Annoncé sous les décrets qui nous créent annoncé, qui veillait à la promotion et au développement du secteur de l'énergie. BMBAT s'occupe du marché des hydrocarbures. Mais ça lié. Ou bien bureau des mines et de l'énergie qui a intervenu, ou bien bon, EDH, c'est son autre acteur dans le secteur énergétique. Ça veut dire, nous-mêmes, en tant que journalistes, faut nous, ça, chaque acteur va jouer. Nous-mêmes, nous sommes acteurs académiques, nous sommes acteurs qui intervenus pour nous chita parler avec un ensemble d'acteurs, pour nous, en réalité, nous-mêmes, nous faisons que l'information que nous baillons dans le secteur énergie sont informations qui valides, qui fiables, qu'on peut utiliser à n'importe quel moment. Mais pour ça, nous-mêmes, nous là en tant qu'observatoire. Il y a pile d'autres acteurs toujours. Mais l'essentiel, c'est ça. Il faut que nous ne pas demander qu'on y a là et ou parle dans primature, ou parle dans primature, écoutez, qui a pris gaz là? Non. Ou bon acteur, ou bon interlocuteur. Interlocuteur, là, c'est même pas de lire. Ministre.
ministère a convoqué tout directeur, ça va au nouvel là, qui plus passé 1500 directeurs, et bon salle là qui plein. Jean-ministre a dit dernièrement là, et tout matin, il dit que il a fini avec le dossier baccalauréat. Alors, directeur ça au nouvel là, c'est le directeur qui vient traiter le dossier de Timoun qui va au saisir. Il y a un nègre là qui a 100 Timoun qui va au saisir. Il y a un là qui a 50, il y a 20, il y a 30. Il y a 10 pour Bibiti. Tout le monde est là, Pibi Titimou, c'est 20, 30, 50, 100 Timoun, 200 Timoun. C'est fini. Là, c'est pour nous prouver quand même bien comment les choses sont et qui s'est fait dans le système, qui lobby qui a fait dans le système, comment le chef de pays d'Haïti a géré le monde qui a aidé à vivre. Okay? Là, pour là, c'est direct à l'école privée, c'est pas direct à l'école de l'État. Direct à l'école privée qui, c'est plus, qui représente plus passé 85%. Dans le système, là, voilà que c'est eux-mêmes qui ont maltraité. Bon, regardez pas ce qu'ils ont recevoir. Regardez pas ce qu'ils ont là. Vous recevez des directeurs qui ont formé Timoun, qui ont formé ministre demain, qui ont formé député, sénateur. Mais comment ils ont recevoir? Pour qui ça est là? Bon, Martin, vous avez rendez-vous dans les DDO. Malheureusement, je ne connais pas. Pour qui raison? Je connais quand même son stratégie. Je pense que si c'est en bas, il y a un bruit, il y a plus par l'empile. Alors, je viens là, je dis à Pito. Je vais nous la venir là matin. Mais côté que pas même qu'à recevoir moun. Maintenant, ministre va c'est l'autre. Pour tout si moun gen problème parmi les recalés qui gen problème, yo pas vle pour recaler. C'est bruit directeur commencé faire là qui fait que ministre courir descendre, directeur département la courir descendre qui fait que là, yo pral prendre recalé. Monsieur, entendons-nous. Imaginons 100 moun recalé payé cobio pour yo inscrit. Yo saisi seulement 20 moun. Et puis direction de la Kabeldou, Timoun ça, quand même Timoun ça, pas une fiche là, il y a valant décembre. Et quoi, pays, pour qui raison? Tout le bagage était censé finir, selon le calendrier ministère. Cependant, nous mettons l'ordre dans des ordres, nous dit nous allons faire des victimes. Donc c'est comme ça que je dis à la matin, nous demandons pour tout directeur de l'école qui a des cas, qui vraiment des cas, qui est venu là. Dans le pays, c'est pour les retards. Il y a tous ces dossiers données au bayo qui battent conforme pour faire inscription. Et je dis à la nous dit que examen lundi, nous pas admettre pour un grand candidat valide, valable pour les deux. Donc c'est comme ça là, la commission qui travaille toute journée aujourd'hui jusqu'à demain tout, pour finir épuiser tout cas qui est épuisable. Et pour tout le monde qui a composé. Même si nous dit tout, si il y a des gens qui ont des dossiers qui font du le, nous sommes tous là. Nous sommes tous là. Et nous sommes clairs avec nous, nous sommes clairs avec nous. Qui est-ce que vous êtes épuisable? Donc c'est des cas de tout le dans le moment d'inscription, les gens qui ont des dossiers, le directeur de l'école a fait quelque chose. Soit non tout le monde, non, col tout le monde, non, avec une licence, on a une faute là-dedans. Gardez ça tout, non tout le monde, vous êtes inscrit, non tout le monde, non, mais vous n'êtes pas inscrit avec aucun dossier. Donc, nous d'accord, nous disons que tout le monde n'est pas victime. Si vous avez des erreurs qui font du côté de responsable ministère, du côté de chef établissement, ce n'est pas tout le monde qui paye les conséquences. C'est pourquoi nous venons là pour nous dire, pour résoudre tout le cas de tout le monde qui concerne eux. Et je dis à la, nous souhaitons que jusqu'à ce soir, bientôt, il y a travail là pour résoudre tout le cas de manière à ce que pour aucune victime dans le système dans l'examen baccalauréat de ça. Il y a un nouveau projet que nous gagnons avec NDI, National Democratic Institute, qui est partenaire à nous dans l'observation électorale tout. Eh bien, projet ça, l'IGN la donne deux composantes du Parlement. Effectivement, nous suivons l'activité parlementaire. Et c'est ainsi que, par exemple, depuis près de 3 à 4 mois, au moins 2 fois par mois, nous gagnons des rencontres avec des parlementaires. Nous recevons ici à déjà le président du Sénat, monsieur le sénateur Lambert, nous recevons le président de la Chambre des députés, le député Garibaudeau, nous recevons les députés qui sont membres de la commission éducation, nous recevons le président commission Sénat pour les questions de justice, pour questions sport, et ensuite, par exemple, matin, nous avons rendez-vous avec sénatrice Étienne, qui lui-même est présidente commission qui occupait les questions de genre, équité de genre dans le Sénat. Et nous recevons tous 2 députés qui travaillent sous question amendement constitutionnel, n'est-ce pas, à savoir le député Géry Tardieu et le député Cyprien.
Donc, nous gagnons régulièrement des rencontres avec des parlementaires pour nous discuter de ce qu'a fait au point de vue législatif dans le Parlement, mais tout ce qu'a fait dans les commissions. Et nous gagnons un cadre qui, dans le Parlement, régulièrement, n'est-ce pas, pour le capable suivre ce qui a passé dans le Parlement, qui loi qui votait, qui commission qui réunit, etc. Et ça, surtout que nous voulons informer tout journaliste qui l'a aujourd'hui, et à travers la presse, nous voulons informer le grand public que nous gagnons un site, site aussi de là, nous sommes capables de joindre l'adresse là, adresse là, c'est www.ocidhaiti.org. M'a répété le pour nous bien prendre. Donc www.ocidhaiti.org. Sous site ça, il y a un onglet qui relaie suivi parlementaire. Eh bien, chaque lundi, site ça, onglet ça, nous actualiser et nous capables de joindre qui loi qui était votée pendant la semaine passée, qui commission qui réunit pendant la semaine ça. Donc, on monde qui besoin informé sur activité parlement, eh bien, capable d'aller sur site ça régulièrement. Et l'autre bagaille tout qui est très important, nous pral mettez sur site là tout les lois qui en discussion au parlement, les lois qu'il y a votées dans le parlement. Donc, si on citoyen et citoyenne voulait bayon suggestion, yon remarque, yon commentaire, yon recommandation sous telle ou telle loi qu'a voté, eh bien, li capable poster commentaire li, suggestion li, et son bagage qui est extrêmement important pour les citoyens, les citoyennes, pour yon capable bay disons yo. Et l'autre bagage tout, nous capable signaler à propos de suivi parlementaire ça, c'est que nous gagnons yon enquête que nous fait. N'est-ce pas? Enquête là, li en traitement qu'on y a là, nous pensons d'ici peut-être 2 ou 3 semaines, nous pourrons gagner résultat enquête là. Son enquête qui est faite à travers tout le pays, hein, sur qui perception citoyen yo, citoyenne yo gagne des parlementaires. Comment vous êtes parlementaire? Est-ce que vous connaissez parlementaire? Est-ce que vous trouvez que parlementaire a fait le travail correctement? Je suis sûr que nous, tous journalistes, nous sommes très intéressés par le résultat ça, son résultat que nous pourrons partager d'ailleurs avec les parlementaires eux-mêmes. Donc, c'est un travail que nous faisons et il pourra sortir d'ici peut-être 2 ou 3 semaines au grand maximum. Voilà pour la première composante suivie du Parlement. Et nous avons une deuxième composante. C'est un travail que nous avons fait sur la réforme du système électoral. Certainement, en pile la note et à l'hôtel Plaza, semaine dernière, côté que nous avons gagné un séminaire, côté que nous avons gagné, n'est-ce pas, un document sur la réforme du système électoral que nous présentons au grand public. Nous avons un groupe consultatif de 18 personnalités avec nous-mêmes ici dans OCID qui travaillent sur un certain nombre de propositions pour réformer le système électoral là, afin que le système électoral là l'y adapte beaucoup mieux à réalité sociale, réalité politique et réalité économique pays. Recommandation que OCID présentait dans le cadre de campagne de plaidoyer pour réformer le système électoral là, nous résumons dans un communiqué de presse. Mais toutes recommandations qui empilent environ 200, yo figuré dans document ça, diagnostic et proposition pour la réforme du système électoral. Et ces documents ça que nous apprenons avant la fin de la semaine, disponible sous site internet OCID là, OCIDHaiti.org, et sous page Facebook nous OCID Haïti. Nous pouvons gagner également sous page Facebook non des activités qui permettent que citoyennes et citoyens yo capable réagir by opinion yo dit ça au penser de recommandation ça yo a, et nous pouvons faire ça 2 fois par semaine côté que nous pouvons prendre recommandation yo peut-être 2-3 recommandations à la fois pour citoyennes et citoyens réagir. Jodia OCID ensemble avec groupe de personnalités dans la société civile qui accompagnent la démarche ça
décidé de lancer un appel à une grande mobilisation pour réformer de manière profonde le système électoral haïtien. Et ensemble de recommandations nous faisons toucher trois domaines. Premier domaine, c'est ça nous les dispositifs de mise en œuvre des élections. Tout ça qui concernait mise en branle le processus électoral là, tant qu'infrastructure électorale, tant qu'opération électorale, tant que financement élection, sécurité, tant qu'observation civique, équité de genre, assurer que mesdames yo à tous les niveaux du système électoral que vous capables de représenter équitablement et accessibilité aux personnes à besoins spéciaux, aux personnes handicapées, tout élément ça au point en compte dans la première partie document qui est les dispositifs de mise en œuvre des élections. Intrinsèque entre la recherche et l'enseignement. Il n'y a pas de recherche sans enseignement, sans un enseignement de qualité. Il n'y a pas d'enseignement sans la recherche. L'enseignement doit être nourri par la recherche. Donc, je me répète un petit peu, puisqu'on vient de me donner le micro. C'est la faculté des sciences humaines, la première, qui m'a stimulé, aidé à produire des ouvrages destinés aux étudiants et aux professionnels d'Haïti. J'ai trouvé à la faculté des sciences humaines un cadre propice, parce que à des moments donnés, il y a eu des... Je dirais une vie académique sérieuse, dynamique, par moments polémique, dans le vrai sens du terme. Et puisque je me dis dans polémique, t'es une polémique, l'aigle est polémique, justement, une scène polémique académique est importante pour l'Université d'État d'Haïti. Je dis bien une scène polémique académique est importante pour l'Université d'État d'Haïti. C'est parce que l'aime de rentrer ici là, t'es gain, et l'aime en 1999, là, on commence à parler de Bourdieu, de Habermas, de bon débat, de mon cap, et qui pour Toussaint, qui contre Toussaint. Bon, mais c'est, ça te mettait étudier au nom, non, dynamique, tout. Et c'est ça qui t'a fait que moi-même, j'ai commencé à écrire, puis je suis capable, sans m'abdire, ça va m'enseigner, de mettre au nom. Donc, c'est la faculté des sciences humaines, les professeurs de la FACH et les étudiants de la FACH qui m'ont aidé, qui m'ont stimulé à écrire jusqu'à présent. Puisque je suis un fils de la FACH, donc c'est mon droit de parler maintenant de la FACH, de communiquer une nouvelle, de risquer une parole aux nouvelles générations, c'est-à-dire à vous qui êtes là ce matin. Et je dois également saluer et remercier le professeur Elie qui est à ma gauche, pas à ma droite, à ma gauche. Mais pour qui ça? Il est bon pour que il n'y a pas d'université sans histoire, il n'y a pas d'université sans héritage. On peut bien ne pas partager toutes les postures académiques, je ne sais pas, scientifiques du professeur Elie, mais c'est un pionnier, on doit l'admettre. Et s'il est à la droite ou bien à la gauche du professeur Vaval, qui est un nouveau, mais c'est ça qu'universitaire. C'est la rencontre de plusieurs générations. Il y a la génération de... il a introduit, par exemple, toute la question de formation continue. On le doit à M. Elie. Donc, si Vaval, là, je veux dire, c'est parce qu'il a été alimenté, nourri à cette source, à cette sève académique, intellectuelle qu'il a reçue ici. Merci. Activité ça inscrit dans le cadre 44e anniversaire Faculté des sciences humaines, qui c'est une faculté qui est dans l'Université d'État d'Haïti.
Jean nous dit la faculté a été créée 19 juin 1974. Si rapidement on a dit quelques éléments de contexte, pas oublier faculté d'ethnologie était là avant faculté des sciences humaines. Et sous période dictature, notamment en 1974, et puis 1973, il y a eu des problèmes entre des dirigeants au niveau de la faculté d'ethnologie, notamment J.B. Roumain, qui encore te fait partie de la dictature, et Salomon Pierre-Louis, qui encore était nos chefs sous le gouvernement Jean-Claude Duvalier. À partir de ce moment, problème entre deux messieurs, ça a eu pour le bail, naissance faculté des sciences humaines. Et c'était difficile pour Salomon Pierre-Louis d'arrêter à la faculté d'ethnologie parce que la situation était extrêmement difficile. Lui-même qui était gagné vieux président dans l'époque, là, il aurait dit, président de balle possibilité pour créer une autre faculté. C'est dans ce sens-là, la faculté des sciences humaines va prendre naissance. Et 19 juin 1974. Depuis lors, la faculté a existé dans le pays, a gagné service, notamment actuellement dans quatre domaines différents, il y a psychologie, travail social, communication sociale et sociologie. À côté de ça, il y a une maîtrise en population et développement et également il y a deux maîtrises à l'ordre du jour, une en travail social et une préparée pour nous voir si nous sommes capables d'ouvrir avec un programme en économie sociale et solidaire et question gestion territoriale. Dans la journée, comme nous disons déjà, dans la première partie, il y a une causerie sur l'histoire de la faculté. C'est-à-dire des gens qui gagnaient autour de 30 ans depuis leur travail, qui connaissent Salomon, les gens qui connaissent le deuxième doyen de la faculté, c'est le grand bijou, les gens très connus dans le pays. Donc c'est eux-mêmes qui viennent faire un parler, comme ils ont fait là, sur qui j'ai s'attayé, comment l'histoire a été faite, qui côté de passé dans la faculté des sciences humaines, qui côté de aujourd'hui, et qui espérer garder tout et dans le jour qui vient, qui direction pour nous prendre, pour nous avoir toujours été une faculté qui a offert un service public d'enseignement. Nous sommes dans un moment cyclonique. Le moment ça, c'est un moment que nous-mêmes, nous avons joint si pour un partenaire. Pour être capable de faire formation pour messieurs nous. En fait, nous continuons à travailler sur ça. Toutes messieurs dames étaient là, la question de protection civile là, concerne, faire une formation qui dure pendant une semaine pour protection civile là, capable d'être solide. Ça que nous avons fait aujourd'hui là, c'est protéger mon cité soleil. Pas besoin toujours disponible. Là, nous avons liste cité soleil là, nous avons lycée du Rivier, nous avons l'école Andrew Green dans la zone apatriée, nous avons l'école Action Chrétienne dans la zone Souafla, nous avons dans la zone 19 là, et l'école Pétom qui est dans 19, dans le projet Douya, nous avons Andrew Gedder qui est dans le projet Douya, et nous avons par exemple, dans le toujours l'école Pétom, Souaf Jérémy, nous connaissons l'école Président Matéli. Construit dans Jérémy en Lila comme un abri. Et puis ensuite, nous avons des abris qui nous pas cités là. Nous avons dans Boston et l'école et Boston, non? C'est Vincent de Paul domestique. Nous avons là tout. Et en fait, nous préparer. Mais cependant, nous avons besoin de support national et international pour continuer à aider nous. Ce que je suis appelé, nous tous connaissons ça déjà. On dit là, il n'y a pas besoin de tomber sur le soleil. Pendant. Et nous aider normalement pour nous gagner une souffrance et qui est très durée dans la question du projet d'Ouya. L'État là commence à mettre les mains. Moi-même, c'est qu'on s'aime toujours les bagages, je suis toujours diligent lié. Peut-être plusieurs personnes toujours battent pour un problème avec moi, mais cependant, je suis toujours diligent lié. Nous, l'État central là, commence à faire un petit travail et pour le moment plus vieux, pour les arriver sur mon niveau. Pour pas trop avoir même problème qu'on gagne dans le projet d'Ouya. Mais c'est pas ça seulement. Et n'a pas tant de plus. N'a pas tant de plus. Et nous avons continué à demander des travaux publics et pour continuer à supporter Cité Soleil et Kire Canalio. Puis gros bagaille, nous demandons des présidents pour qu'on fait. C'est rivé, non seulement Kire Canalio, c'est rivé dans la mer. Dans la mer, pour draguer la mer. C'est arrivé de draguer la mer, et puis laisse pas oublier la mer à l'Ipiro. Depuis la mer à l'Ipiro qui est sol là, qui est canalio, depuis la mer à l'Ipiro qui est terre, catégoriquement, même le nettoyer canalio,
et Fatra ou Déchet a toujours été en deux canal. Je pense que la présidence, et a déjà une réunion avec le président, il a fait nos promesses, et il a dit nous, Gladiola, et il a essayé de venir pour être capable de draguer la mer. En fait, jusqu'à présent, ça n'a pas fait. Et nous, quand le président, il a pile la gagne en tête, mais si tu es sur les appendices, pour lui faire travailler ça. Le 5 juin dernier, exposé et organisé une conférence débat. Et conférence débat ça, l'idée posée de sérieux problèmes et qui liés à la dégradation de l'environnement. C'était une journée de réflexion qui était rassemblée et les acteurs de la société civile, les collectivités et ensemble citoyens qui étaient intéressés à la question environnement avec une grande participation de la presse parlée, écrite et télévisée. Et comme l'était annoncé déjà dans la conférence 5 juin, qui c'était journée mondiale de l'environnement, et nous avons annoncé que ce n'est pas une démarche qui a prêté là. Ça, c'est deuxième partie, première partie dans la démarche là, qui c'est réflexion, ensemble réflexion qui était faite la journée 5 juin, qui regroupait, ou bien que nous compilait sous forme de recommandations aux autorités, justement, pour montrer la nécessité qui gagnait pour prendre ensemble revendications communauté haïtienne en charge en ce qui a trait à la protection de l'environnement. Recommandations, ça a eu, après les joindre les différents acteurs concernés, tels que les deux branches du Parlement. Et libre à les joindre le secrétaire, le représentant résident du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, c'est M. Amamadou Diallo. Recommandation ça a eu, il va les joindre monsieur Giuseppe Calandruccio qui c'est représentant ou bien le représentant secteur droits de l'homme de la MINEJUST. Et recommandation ça a eu, il va les joindre le maire de Port-au-Prince et qui c'est principal souvelé et mairie principal concerné en ce qui a trait à ça qui est lié à la dégradation de l'environnement. Il y a un travail de sensibilisation continue que POSE a fait à travers collectivités, à travers population. Hein. Mais son travail qu'a fait à plusieurs têtes. Et réunion, rencontre qui était faite le 5 juin, on était rencontré avec les autorités locales, on était rencontré avec les chefs d'organisation et communautaires de base, on était rencontré avec des notables au niveau de la communauté, on était rencontré avec les directeurs d'école, des élèves de différentes écoles qui sortent dans la troisième circonscription de Port-au-Prince. Donc, nous te promettons que nous prenons le travail d'arrache-pied justement pour que nous traduisons les éléments qui sont dans la réflexion et pour que nous adressions les recommandations dans un premier temps aux autorités concernées telles que les Nations Unies, telles que le ministère de l'Environnement et telles que le Palais National, en l'occurrence le président Jovenel Moïse et la primature, c'est ensemble de secteurs SAIO qui dans un premier temps qui est censé toucher par ensemble revendications, ensemble recommandations SAIO. Jovenel Moïse, fuck, ministre Stéphane Yogis paye nous, et si ministre Stéphane Yogis pas fait péril pour nous, et nous mandé, fuck président, prince de l'habitel, parce que ministère affaires sociales, il y a trop de corruption là-dedans. Moi-même, c'est Baptiste Jean-Robert, responsable et planification en SVM.